l'objectif du club, l'objectif des supporters, l'objectif des dirigeants, des joueurs et nous staff, c'était le championnat et la coupe. Ces deux compétitions qu'on allait jouer à fond. C'est une finale historique, je crois que c'est une première fois entre le Mouloudia et le CRB, une finale de Coupe d'Algérie, premier second, donc ça veut aussi dire que ce sont les deux meilleures équipes du championnat. Deux matchs où on a fait 0-0. Je dirais que le deuxième match était un match un petit peu où je pense que les deux équipes ont gardé un petit peu leurs prévisions et leurs idées pour la finale. L'idée, c'est de toujours faire progresser mon équipe, que ce soit offensivement, que ce soit défensivement. Vous parlez de défense et d'attaque. Moi, je parle toujours d'animation parce que j'essaye de faire en sorte que les joueurs offensifs puissent participer aussi aux tâches défensives et également notre gardien de but et nos défenseurs puissent déjà penser à se projeter vers l'attaque. Donc, c'est vraiment une animation collective. Si vous avez vu toute la saison, c'était mon fil rouge, c'était l'équipe. Je mettais en avant l'équipe. Donc, l'idée, c'est d'essayer de progresser et d'essayer de trouver la faille face à cette belle équipe du CRB qui, quand même, sur les quatre dernières saisons, était l'équipe à battre. Donc, un championnat, c'est fait. Il faudra faire en sorte de bien finir la saison pour essayer de trouver la faille face à cette équipe du CRB qui reste une équipe solide.